Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la promotion de l'épisode de Starbound V4 Please the Giraffe. Donc chers amis, nous allons comme prévu changer de planète, je sais pas si on avait prévu de changer de planète, je sais pas si on l'a visité en entier, il me semble qu'on l'a fait le tour, oui effectivement. Et on va aller se balader donc de planète en planète comme d'habitude. Toujours dans l'objectif, chers amis, de découvrir donc plus de choses. On va commencer par les petites, alors celle-là 3000, celle-là 4000, celle-là 6000. 3000. Pourquoi ? Ben simplement pour trouver plus de ces objets. Il nous faut une quantité d'objets, d'upgrade modules. Donc un peu plus importante que prévu. Eh bien écoutez, on va faire ça comme ça. On va aller les chercher nous-mêmes. On pourrait aussi tout aussi bien, chers amis, les utiliser en admin mode. Mais c'est pas du tout l'objectif. Alors hop, est-ce que je peux retrier tout ça ? Parfait. Là aussi. Hop. Et là aussi. Parfait. On est plutôt bon. Pour ceux qui se posent la question, oui, il y aura encore une petite amélioration du comment déjà des quelques vidéos de wiring que j'ai pu faire. Ensuite, je ferai sans doute peut-être une petite session dessus, oui, effectivement. Donc, on verra bien le moment venu. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, on n'y est pas encore. Je ne suis pas encore arrivé pour moi à ce que j'appelle le endgame, c'est-à-dire que je n'ai pas fini mon vaisseau. Une fois que le vaisseau sera terminé, on ira sur le serveur, on se baladera. Hop, voilà. Alors, j'ai quelques lags. Wouhou! Alors, est-ce que c'est une magma sur laquelle je suis allé? Parce que si c'est le cas, j'ai vraiment, vraiment, vraiment très très peur. Hein. Bon, tant pis. Blah! J'ai presque réussi à aller jusqu'au autre côté. Bon. Alors, effectivement, c'est une magma. Donc, on va aller voir si on peut pas prendre, tout simplement, show me my text, le boat. Hop, et on prend et on sélectionne le boat. Hop, et on y retourne. On va aller voir, après tout, j'ai pas fait attention, j'étais stupide, c'est de ma faute. Du coup, on en profite. Oui, quoi, je suis un peu prévoyant. Putain, ça va être casse-couille. Faut que je garde absolument l'entièreté des trucs que j'ai sur moi, le seau comme le reste. À disposition au cas où. Mais non. Oh non, je vais faire ça comme ça en fait. Vous avez raison, c'est mieux. Ah, ça va être drôle ça. Alors là, il y a du piment. On va prendre le piment. Il m'a pété à la tronche celui-là. Tu peux y aller, hein. Vas-y, va dans la flotte, hein, t'as raison. Hop. Ça lui change comme type de planète en plus. Et B. Et B. Je tente ma chance, hein, mais... Wouhou! Quelle île! Quelle île en mer! J'aimerais bien visiter les profondeurs sous-marines. Mais bon. C'est pas la meilleure des idées que j'ai eues. Hein. Hop les. Là, voilà la véritable astuce, chers amis. Hop. Il est beau l'arbre. Hop les. Ok. Bon, y'a pas grand chose, hein. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas le... Hop, les. Raté. Il m'a touché quand même, le salaud. Salaud! Bah, bla. Blouf. Hop! Crac. Il y avait quoi? Une torche dedans. Mais écoute, tant mieux. Ah!
C'est vraiment le grappin de Batman, hein. Il soulève tout et n'importe quoi. Ah, on a déjà fait le tour. Mais il y a strictement rien sur cette planète. Hop. Bon. S'il y a vraiment rien sur les planètes de type magma, on est dans le caca. Hein. Parce que bon, je suis désolé, il y a des mises à jour de fait, mais il y a rien dedans. Donc je suis désolé, là, il y a quelque chose qui va pas. Alors, 4. 4, voilà. Alors, magma, non. Dead planète. Bah écoute, on va prendre la petite dead planète. Et on va aller dessus. Alors, on y est. Excusez-moi. Hop, on descend. Et on est reparti. Peut-être qu'il y aura plus de choses sur cette planète. J'ai pas regardé les intempéries qu'il pouvait y avoir dessus. Un coffre. D'accord, on commence par du vent, c'est cool. Machine pistole à 15. Et j'ai pris le bateau, ce qui va être catastrophique. Hop. Ok. On va essayer de rentrer là-dedans. Oh la vache. Allez. Allez. C'est bon. Ok, du poison. Merci le jeu. C'est sympa. C'est franchement sympa. Eh, hey, je me demande si avec le bateau, le vent serait pas utile. De l'or. De l'argent. Non, c'est pas possible que ce soit utile. Ce serait énorme. Ce serait beaucoup trop bien fait. Ça veut dire que ce serait pas un buff, mais vraiment un effet du temps. On va tenter. Eh ben non, ça marche pas. Oh la vache. Alors si quelqu'un connaît une astuce, un truc pour minimiser les effets de cette chose, je suis preneur. Oh, des diamants! Putain! J'avais pas capté ce que c'était en bleu au début. Mais des diamants. Bah écoutez. Jackpot, hein. Alors. Allez, grimpe. Intéressant. Alors. Allez. Hop. Ce sont des salopios. Ouh, c'est pas passé loin. C'est pas passé loin du tout. Hop, un petit coup de heal, merci. C'est casse-couille ce temps! Tout qu'il n'y a rien sur cette planète. Ah si, c'est bon. Bah, je dis ça et forcément je tombe sur deux coffres de suite. C'est génial. Enfin bon, je vais arrêter de me plaindre. 39. 40. Bah voilà. Pas trop loin. Hop.
Ok. Un biome cristal, pardon, chers amis. Alors, on essaie de parcourir la plus grande zone possible avant que la tempête de sable ne revienne. Parce que je suis persuadé qu'elle va revenir avant la fin de l'épisode. Hop. Tout en étant le plus, bien sûr, alerte. Sur ce qu'il pourrait y avoir à la surface de cette planète. Rien du tout. Ah d'accord, c'est des trous en fait. Je comprenais pas ce qui faisait la lumière, mais en fait non, il y a des trous par exemple, c'est ça en fait, chers amis, regardez. Si je fais une ligne droite et que je fais crac, 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 crac. Ça correspond à ça en fait. Vous voyez? Ah putain, la tempête! Sans expliquer un truc quoi! Respecte mon autorité un petit peu. Merci de pas être violent. Je crois que si en fait. Mais non, mais sois au moins affecté par le debuff de vitesse. Oh putain! Et en plus, elle a laissé une flamme au sol, c'est marrant. Oh putain! Je vais finir par détester le panel de type volcanique. Pourtant, moi je les aimais beaucoup avant. C'était hyper dangereux, c'était sympa d'y jouer. Par là et on a fait le tour. Bon, on a fait le tour, on remonte et on va aller faire un petit récapitulatif. On n'a rien trouvé de ce qui nous intéressait, on n'a rien trouvé. Oh putain, alors, est-ce qu'il y a d'autres types de planètes? Normalement oui, il y a les planètes tentacules aussi. Peut-être planète, il y a une lune là-dedans, c'est marrant. Frigid Ocean, d'accord. Volcanique. Ah, attendez, on va aller sur une volcanique. Bon, on verra bien ce que ça donne. Hein. Moi, je m'étire, chers amis. C'est un petit peu trop, comment dire, calme, malgré tout. Hop, on va en profiter pour aller se mettre là. C'est de régénérer un petit peu, ce serait cool. Et on descend. C'est parti. Bon, alors comme certains m'ont demandé, je vais y répondre. Il y aura bel et bien des épisodes basés sur le wiring, donc sur le système de, entre guillemets, de programmation, de redstone du jeu, pour ceux qui voient. Donc il y a des tempêtes, il y a des chutes de météorites parce qu'il y a du bois partout. On fera attention, j'ai toujours pas... Voilà, regardez, il y a encore du bois là. Hop. Faudra faire attention. Donc on profite qu'il n'y en ait pas pour y aller. Un coffre. Un sabre laser dedans. Je vais prendre le bois plutôt. Bah voilà, ça c'est fait. J'ai pensé, j'ai pas pensé à la bonne truc. Putain, à la bonne tech. Nom de Dieu. La tech en question sera donc la targeted bling. J'aimerais aussi avoir, si possible, je vais prendre le non pas le gravity bubble. Le gravity bubble ça va pas être utile. Il est bien, mais ça va pas être ce que je cherche en fait. Voilà, ça c'est mieux. Ok, j'aime bien quand j'appuie et que ça lance pas pour autant.
Ça, c'est annonciateur de très très bonnes choses. Oh, 17 points. Vraiment pour le plaisir de m'en mettre. Hein. Oh, un volcan. Ouais, enfin bon, plus ou moins une montagne surtout en fait. Hein. Ok, j'ai bien fait. Oh putain. Non, putain. Ah, on va pas y arriver, chers amis. Ah, j'ai envie de mettre fin à l'épisode pour partir à un prochain. Tant pis, on retente une dernière fois. On partira sur la gauche cette fois-ci. Hop. La mort semble d'autant plus présente, hein. Je sais pas si vous avez remarqué la longueur de la chute. Pourquoi ah oui, il y avait une toute petite flaque. Vous avez vu? Une toute petite flaque au sol, quoi. Ça, c'est gavant. Aïe. Par contre, là, c'était pas une petite flaque. Ah bah là, j'ai coulé dedans quand même. Hein. Mais c'est génial! Le jeu veut que je meure, à mon avis. Il y a quelque chose qui va pas. Je joue trop bien, à mon avis. Voilà, c'est ça. Ça doit sûrement être ça. Ouh, non, j'irai pas le chercher là-dedans, l'argent. Cet arbre est vraiment joli. Non! Putain! Il y a un coffre. Vous avez vu? Il y a un coffre dans le magma. Si ça, c'est pas pute. Allez, écoule-toi. Une fois que la partie de gauche aura écoulé, je pourrais faire couper celui-là pour que ça s'écoule en bas aussi. Ah, nom de Dieu! Ben, Dieu! Alors, cette partie-là aussi. Hop. Et surtout celui-là. Hop là. Ça me fera un petit peu de charbon sur plus, c'est cool. Ah, j'ai même pris deux de lave. Hop là. On va casser celui-là, parce que j'arrive pas à casser comme je veux. Voilà. Oh, une eau, cool. Donc cette quête-là n'est pas, entre guillemets, une quête obligatoire. Elle est très facultative, c'est pour en fait commencer à s'occuper de son jardin, entre guillemets. Putain. J'ai vu la mort droit dans les yeux, chers amis. Oh putain. C'est casse-couille, ça. Et je vais mourir connement, une fois de plus. Non, mes pixels. Aïe. Mais y'a rien sur ces planètes. Ah si, y'a de la neige, regardez. Regardez, y'a de la neige. T'es sérieux? T'es sérieux? Putain, et puis en plus je marche dans la flaque. Ah, mais nom de Dieu. Mais le jeu veut que je meure. Le jeu veut que je meure, chers amis. Regardez ça, la longueur de la petite flaque. Elle est pas profonde, mais très très longue. Et ceux qui ont pensé à comme ma bite, je vous emmerde.
la gueule. Ah bah ça y est, il y a quelque chose. Des apex, wouhou, trop cool. Donc tout ce qu'il y a ici, c'est de la merde. Hop, pin, 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 pin. J'ai foiré mon coup. Vous êtes trop nul, vous êtes trop nul, je suis déjà parti. Ouhou. J'ai cru que j'allais marcher dedans. Non, l'œil. Oh putain. Oh là là. Mais c'est pas possible. Le jeu veut ma mort, ça y est, c'est pas c'est sûr. Hein. On cherchera pas plus loin. Un coffre. Tu peux t'ouvrir? Merci. Qu'un pauvre bazooka qui fait pas de dégâts. Alors, s'il y a des gens qui sont toujours au courant, s'il y a déjà, il y avait des armes déjà dans les précédentes mises à jour, il y avait des armes qui étaient overpowered, qui étaient générées donc plus ou moins aléatoirement par le jeu, mais qui étaient extrêmement puissantes. Quand je dis extrêmement, c'est pas pour faire genre, c'est vraiment extrêmement puissante. Je vais mettre ça là, ça je te vire, j'en ai pas besoin. Hop, parfait. Bon, on verra bien ce que ça donne. Forcément. Putain, je vais... On va plus sur les volcaniques, chers amis, on va aller sur les aliens. Voilà les amis, donc on va se laisser là-dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la pouce vériser, la commenter, la partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam joueur de la Playroom, dont vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures, salut les gens.